Et salut à toutes et à tous, c'est Rodan Amilo de la Team Zankyo et on se retrouve pour le 13ème épisode de Pokémon Ruby Omega. Alors donc, après avoir récupéré Latios sur l'île qui n'avait apparemment pas de nom, donc on commence notre route vers Simtronel pour aller choper notre 6ème badge. Sur ce, continuons. Alors, je vais juste reprendre le Navidex en main. Alors, non, c'est pas ça que je veux. Ah, ça. Ah ouais, quand même. Ouais, on s'en intéresse pas. Et voilà. C'est merveilleux, vous êtes le premier dresseur qui accepte d'être notre adversaire depuis que nous faisons équipe. Déjà, nous surnomme cerveau et muscle. Permettez-nous de nous mesurer à vous. Ah, vous êtes notre premier adversaire depuis qu'on a formé notre équipe. Nous sommes un duo cerveau et muscle et nous vous défions en duel. Ouais, j'aurais pu juste raccourcir tout ça et dire ouais, on veut se battre. Tout simplement. Alors. Ça nous sauvera pas. Ok, ça commence pas sous les meilleurs auspices. Mais bon, au moins ça fait du défi et c'est plutôt intéressant. Bon, s'il n'arrive pas de spammer soin, lui ça va m'énerver. Voilà. Ah mais il veut pas mourir hein. Il veut pas se mettre une KO. Mais bon, là ça va. Là ça fait penser que j'ai un Alakazam hein, dans ma boîte. Mais bon, vu que je vais déjà avoir un garde-voir en Pokémon de type Psy. Voilà. Une fois que j'arrive au centre météo, je crois. Hein, du moins presque. Mais le gars, ah dis donc. Pas trop intéressé par un Tropius malheureusement. On va quand même essayer de la voir ce que ça donne. Je crois qu'il est vol plante. Oh, il m'a écrasé. Voyez. Hop. Ah,
Ah, évolution. Non, du parfum, c'est de la merde. On va dire qu'au moins ça se sera fait. Que Micronium évolue. Et ça, c'est plutôt bien. Meganium. Ah, dans ce leurre, ça, je veux bien. On va enlever. Ah. Alors, dans ce leurre, c'est quoi les points? C'est quand même assez puissant, voilà. 130, 60, on s'arrête jamais. Bon bah tranche herbe. Hein. Et voilà. Ouais. Allo deux, Pokémon Ranger. C'est Vipère. Bon, vu que mon fenêtre est un peu... voilà. On va être Tornado. Car il a pas agi depuis longtemps. Nico! Oh! Il m'a paralysé du regard. Oh mon dieu. Du coup, il peut pas m'empoisonner. Ah, mais c'est pas... Tornado! Tornado! Continue à te battre. Oui, c'est bien. Ah, si lui quoi il passe, ça devrait lui faire mal. Oh non, pas cette attaque. Oh non, pas paralysé. Mon dieu. Ce qui est genre, c'est que si je rate ou que je suis paralysé, et bah, je suis obligé de me retaper quoi depuis le début. Et ça, c'est pas cool. Hein. Bon, quand même, là, ça va être instant soin. Je sais pas, mes Pokémon ont pris cher, mais voilà quoi. Alors. J'ai sûrement à prendre Nitro Charge, tiens. J'ai toujours envie de feu follet, c'est... Ça, c'est une attaque directe pour le brûler. Ouais. Autant avoir des attaques offensives.
Voilà. Et puis Max. Ah, on peut rentrer à bicyclette, il me semblait que dans les anciennes générations, on pouvait pas en fait. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Attends, ce nitro charge. Je vais quand même le mettre chaos, je pense qu'il y a moyen que je gagne un niveau avec Fenar. Il est clairement plus attaque spéciale. Pas envie de l'affronter. Bah, allons-nous occuper du centre météo. Bienvenue au centre météo. Mes collègues du premier étage sont un peu bruyants aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui me déconcentrait. Bah, il me semble que quelque part, en fait, il y avait un lit et on pouvait se reposer. Voilà. Ils sont tous montés au premier étage pendant que je faisais la sieste. Les recherches qu'ils font ici intéressent mon supérieur, c'est pour ça qu'ils nous envoient. Mais toi, occupe-toi de tes oignons. Tam pach pa pam poum palam pim poum palam. Ah ça, ils ont des guerriers là. Ils ont enfin évolué. Allez, Fenar! Tu me déçois. Ok, alors non seulement il me rend confus, il baisse ma vitesse. Tu veux que je fasse le café aussi hein? Allez, attaque! C'est bien. Ah ouais, on va... Oui, il est légèrement plus porté sur l'attaque spéciale, quand même. Ah, Psycho, ça joue bien. On va enlever Feuille Magique. Alors, on va veiller Volti. Je pense que son oeuf sur Alto il va wheeze. Voilà, coup de jeu. Enfin, garde-voir! Yeah! Allez, l'attaque! J'ai rien demandé, mais je t'attaque moi aussi, voilà! Aucun respect! Alors, Smogou.
Là mon if. Wow! Attends. C'est un combat express ça. Non, vraiment c'est caca. Et je l'ai battu. J'ai pas vu coup critique ni rien, c'est. J'ai vu la barre. Voilà, c'est tout. C'est waouh. C'est très surprenant. Mince. Mais qu'est-ce que. Maître Max savait-il ce qui allait se produire? Eh. Bon sang, mes précieuses recherches. Rendez-moi! Tu vas te taire? Non, arrêtez! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Moi-même, je sais quoi pas quoi faire. Faute Kelvin. Maître Max, quel sort comptes-tu réserver à la planète ainsi qu'à nous, la Team Magma? Il y aura des comptes à rendre. Juste. Retourner faire une sieste, hein. Oui, c'est la merde, mais je trouve le temps de faire une sieste, hein. C'est tout à fait normal, là. Ah, bah tiens, il y a. Je viens de voir qu'il y a un PC, du coup, je vais. Déposer la chose et reprendre Eden. Oui, faut voir quand même que. J'ai pas mal de. de Pokémon, hein. C'est surtout sur des anges miracles, hein, donc j'ai pu avoir un Starry, je garde un Tarsal, enfin qui est mal, comme ça je pourrais en faire un Calame. Alors là, à la Kazam que j'ai pu faire, un Tilton que j'ai appelé à Rune, hein, en référence à un pote à moi. Hop, un Gaikid, Ectoplasma, Armure, Gigalith, hein, que j'ai pu recevoir, Roselia, Noceralto, bah mes tanks que j'ai pu faire. J'ai reçu un Drabi quand même, ça je suis assez content parce que je dois avouer que j'ai pas eu l'occasion d'avoir un Dratak très longtemps. Bah Métamorph hein, pour tout ce qui est reproduction, on ne sait jamais. Un Grenousse avec Protéin, un talent intéressant. Un Salamèche, mais bon lui je le garde pour après, hein, j'en ferai un Dracofeur bien évidemment. Un Scalpro niveau 54, hein, j'étais très surpris d'en recevoir un. Un Grolem. Un Bulbizarre également. Et un autre Grenousse, donc j'ai deux Grenousses en protéin. Ouais, c'était la présentation de ce que j'ai pu récolter durant l'échange miracle. Mais bon, quand même, je les ai pas eu du premier coup, hein. J'ai dû recevoir souvent des chenipodes, des Zigzatons, ce genre de merde. Et que j'aurais échangé, quoi. Parce que c'était assez chiant, quand même. Tu t'attends quelque chose, et là, un chenipode sauvage apparaît. Et c'est énervant. En tout cas, Fenard, je suis assez fier de lui. Ça va faire mal. Mais bon, vu que c'est un chamallow, il a pas encore une grosse puissance par rapport à Camerupt. Donc ça, pour l'instant, c'est ça va, j'ai plutôt de la chance sur ce point-là. Bon allez. Mais quand même, il fait mal, hein. Avec rebondi-feu. Il me semble que rebondi-feu, c'est quoi? C'est 60. Et ça passe, hein. Par contre, c'est surtout, il se fait avoir à chaque fois. Et tac! Ah, ça c'est fait. Ouais, 100 PV, pile. Tu m'as eu? Ouais, je sais. Alors, on va voir. Je vais mettre Gardevant en première position, parce que disons que c'est. Ouais, il est pas mal en retard
termes de niveau, quand même, c'est pas... Ce n'est pas génial. Il faut bien qu'il fasse son retard. Enfin, il faut bien qu'il fasse son retard tout court, quoi. Donc, juste envie de... Il faut que je vérifie un truc sur le garde-voir, c'était quoi, ça... C'est pas si c'est calque ou synchro. Synchro, d'accord. Donc, s'il prend brûlure par ici, il le transmet à son adversaire. Comment ? Que fait ce gamin ici ? Oh, je me suis perdu. Non, sur Aldo. Donc maintenant il a un avantage, c'est que le type poison est efficace contre le type fée. Mais je le mets KO avant. Non mais je veux pas prendre doux parfum, laisse-moi tranquille. J'y crois pas, comment j'ai pu perdre? Comme ça. Hey, salut Kelvin, ça va? Mouah! Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux un autographe? Les gamins d'aujourd'hui, ils ne vous lâchent plus, même dans votre vie privée. Mouah! Après tout, pourquoi pas? J'ai besoin de me défouler après ces fâcheux événements qui m'ont mis en rogne. Je vais te réjouir en purée. Allô, deux, Kelvin! Camelupte! Psycho, ça passerait très bien. Ah, c'est de la défense spéciale, donc c'est pas utile que tu augmentes ta défense. Voilà. Voilà, c'est rapide. Ah, comment t'as fait? Bah t'es quelqu'un hein. Ouais. Ce n'est pas mon jour franchement, trop de stress, j'en peux plus de tout ça. Écoute bien espèce d'inquiétineur. Lorsque Maître Max sera parvenu à mettre ses plans en exécution, le monde tel qu'on le connaît disparaîtra jamais. Les plaines remplaceront les mers primaires, les êtres vivants seront condamnés, et tout retournera à la terre pour la dernière fois. Mais toi petit, que comptes-tu faire avant que ne se produise l'inévitable? J'ai hâte de te voir à l'œuvre, moi. Notre maître a du soin dans mon mémorial. Je pense que je vais l'y rejoindre. Je te remercie. Grâce à toi, nous sommes sains et saufs. Comment te sens-tu? Je me suis pris une belle gifle, mais je m'en remettrai. Les misérables, que comptent-ils donc faire de mes recherches? S'ils s'intéressent tant que ça aux anomalies climatiques d'il y a plusieurs milliers d'années, il y avait plus simple. Ah, je manque à tous mes devoirs. Pour te remercier, j'aimerais te confier un nouveau compagnon. Oh, mais tu n'as pas assez de place pour transporter ce Pokémon. Voyons me voir quand tu auras fait de la place dans ton équipe. C'est un Morpheo. C'est le Pokémon testiculaire, comme je l'appelle, quoi. L'un d'eux se nomme Goudon. En absorbant l'énergie de la nature, il parvint à modifier son apparence et sa nouvelle forme déclencha une terrible vague de chaleur qui assécha les océans au profit des terres émergées. Nous avons nommé cette métamorphose la primo-résurgence. Lorsque Groudon effectue sa primo-résurgence, il devient primo-Groudon. Nous pensons qu'il s'agissait d'une forme d'évolution similaire à la méga-évolution, mais il semble que seul Groudon et son semblable en soient capables. Ceci dit, nous cherchons encore à connaître le moyen d'effectuer cette primo-résurgence. Sur ces paroles, nous nous excusons, mais nous devons te laisser. Je souhaiterais toutefois t'offrir quelque chose en guise de remerciement. Descends me voir au rez-de-chaussée. Je vais encore faire une sieste. J'adore la sieste.
suis là. Offre-moi mon cadeau. Oh, tu vois, tiens, c'est pour toi. Le casque brut permet d'afficher des dommages à un adversaire qui t'emporterait une attaque directe. Enfin, c'est pas une raison pour faire exprès de prendre des coups. Oui, je connaissais ce principe de casque brut. Bon, on s'occupe du centre météo de manière assez rapide, je trouve. Bien que je me sois interrompu entre différentes siestes, n'est-ce pas? Et ben donc, nous allons mettre fin à cette 13e partie de Pokémon Ruby Omega, en espérant que celle-ci vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye!